Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur Game Online. Et aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de beau aujourd'hui? Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu de folie. Un jeu de folie qui se nomme donc Gundam Breaker 3, sorti sur PlayStation 4 et qui n'est malheureusement pas pour le moment disponible en Europe. J'avais découvert ce jeu à la Japan Expo, où j'ai vu que le jeu n'était disponible qu'en japonais. Mais nouvelle, depuis peu de temps, le jeu est sorti en Asie, hein, toutes les régions, Singapour et compagnie. Et donc, le jeu bénéficie d'une traduction anglaise qui rend le jeu beaucoup plus agréable à comprendre. Donc, on s'éloigne pas particulièrement de ce qui était mis en place dans les Dynasty Warriors Gundam qui étaient sortis sur PlayStation 3. On est toujours un peu dans le même fonctionnement, sauf que, contrairement aux Dynasty Warriors Gundam, on ne joue pas dans l'univers de Gundam Seed, Gundam Destiny ou de tous les animés que vous connaissez. On joue vraiment dans l'univers du Gunpla. C'est-à-dire que quand vous, voilà, là on est dans notre hub VR, on a notre personnage, et vous allez voir un peu de quoi on parle. On parle des maquettes. Les Gunpla sont les maquettes. Hein, donc on retrouve vraiment... Alors le jeu est sorti en mars 2016. Salut Valuxator, comment vas-tu mon ami? Content de te voir. Et donc le jeu est sorti en mars 2015, je crois. Il est sorti en mars 2016, je veux dire. Et il est sorti en mai 2016 en version asiatique, donc. Et ce qui veut dire qu'au niveau des maquettes disponibles, on retrouve la majorité, ben, pratiquement tous, hein, il n'y en a pas eu vraiment de nouvelles sorties depuis. Donc on a pratiquement 20-30 ans de Gunpla, hein, qui sont disponibles dans le jeu. C'est vraiment la folie. On va faire vite fait un tour au niveau du shop pour vous faire voir un peu les différentes maquettes disponibles. Après, je vais vous faire voir un peu de combat, hein, parce qu'on va tout de suite rentrer dans le vif de l'action. Et après, on verra quel est l'intérêt de faire des combats, la rejouabilité et tous ces petits trucs-là. Donc, on peut acheter différents types de maquettes, hein, qui vont tous avoir des caractéristiques qui vont pas forcément les différencier d'un modèle à l'autre. Hein. C'est surtout l'esthétique qui va jouer. Mais c'est au fur et à mesure, plus on va acheter, il va y avoir des rangs au niveau des pièces d'équipement, mais ça, on aura le temps de voir ça par la suite. Ça va très bien, Valuxator, très très bien. Et donc, pour le moment, voilà où j'en suis arrivé, hein. On en est à avoir déverrouillé quelques modèles. Il en reste encore pas mal, hein. Donc là, on est dans la catégorie HG, c'est les Height Grade. Donc, ce sont des maquettes. Ce rendu là, hein. Bah, celle-ci on va la débloquer plus tard dans le jeu. Voilà un peu le rendu que ça doit avoir. Donc au niveau des pièces, c'est pas hyper sophistiqué, hein. On a une ossature qui est apparente et qui est directement reliée aux armures. Donc voilà, ça c'est un peu pour le modèle HG. Et après on a le modèle MG que je n'ai pas encore débloqué, qui correspond un peu plus. Alors le modèle est en cours de construction, et celui-là... Ah putain, je perds ma pièce. C'est ça. Oh, pardon. Oh là là, tout tombe, excusez-moi. Et là, vraiment, au niveau de finition, alors ça va être difficile pour vous à voir, mais je vais essayer de vous expliquer un minimum. C'est que, par exemple, si vous regardez bien quand je vais bouger... Oh là là, tout tombe en miettes. C'est voilà, l'effet Bonaldi. L'effet Bonaldi. C'est-à-dire que toutes les pièces, en fait, l'armure est vraiment fixée sur une ossature qui est autonome. Vraiment, on commence par mettre en place le squelette et après on ajoute les pièces. Ce qui permet d'arriver à quelque chose vraiment
quelque chose de vraiment très proche de la réalité. Et voilà. Excusez-moi. Donc on est à un niveau de finition plus élevé, mais là la particularité qu'il va y avoir avec ces modèles-là dans le jeu, c'est vrai qu'il en a un peu rien à foutre, hein, le jeu, hein, de faire la différence entre une armure HG et MG si c'est juste une question de finition. Ça change pas grand-chose. Non, ça va être... Pardon, excusez-moi. Normalement, ça va être la taille qui va changer. Et pour le moment, je n'en ai pas débloqué, puisque je ne sais pas encore à quel moment on les débloque. Après, on peut directement acheter des petits objets supplémentaires qui vont nous rajouter des capacités sur nos Gundam. Donc on pourra en équiper 7 par défaut. Bah, on a 7 points à répartir et il y a des objets qui valent plus ou moins 7 points. On a le choix de notre avatar, hein, où on peut acheter une tenue qui fait directement référence au personnage, au pilote de l'univers Gundam. Le PlayStation Store n'est accessible que si j'utilise mon compte de Singapour. Et voilà les gifs. Les gifts AXA, c'est importer la sauvegarde de Gundam Breakers. Mais on s'en fout royal. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu un peu que ça se basait sur l'achat de maquettes et... l'achat de maquettes et la personnalisation de son robot, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des très hauts niveaux de perfection. Vous voyez de personnalisation, vous voyez ce modèle-là que j'ai construit. Et ben en fait, c'est un peu le mélange de plein d'autres pièces et des couleurs, mais ça on verra la customisation après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite prendre une mission. Et on va pas prendre la dernière mission. On va se prendre une mission un peu plus facile d'accès pour que ce soit encore relativement clair pour vous. On va faire un practice, il y a du MG dans le practice, donc ça peut être déjà intéressant. Donc on a soit le choix entre les missions du mode histoire, qui est juste là. Ici, on a la possibilité de faire le mode chasseur de primes où on va combattre des personnages créés par les autres joueurs. Mais on combat pas directement les autres joueurs, on combat les Gundam créés par les autres joueurs. Et ici, le multiplayer, où là, on joue vraiment en ligne contre d'autres joueurs. Mais faut dire que les lobbies sont pas encore très pleins, donc... ça vaut pas le coup en une heure de vous faire voir le mode multi. Mais il a le mérite d'être là. Donc là, j'ai choisi une mission et pour me déployer, c'est écrit, hop, on appuie, on maintient, start, pour lancer le deploy. Bon, quoi de neuf, Valuxator? Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis le temps, hein? Depuis vendredi, notre petit stream sur Until Dawn. Voilà. Et là, on a notre mecha qui se met en position pour partir au combat. Et go! Donc, ça se passe comment? Donc là, hop, je me bats à main nue pour le moment. Donc on déplace notre Gundam avec le stick gauche. Le stick droit permet d'orienter la caméra et de cibler un adversaire. Si j'appuie sur L1, je perds le ciblage de mes adversaires, hein, pour pouvoir me déplacer librement dans l'environnement. Et je reprends avec L1, avec R2, j'utilise le tir à distance. Et après, ben, comme dans tout bon musou, hein, donc c'est carré le coup de poing. Et carré le coup de base. Et après, on a triangle qui permet de faire le coup fort. Voilà. Et on récupère des pièces d'armure directement au sol. Hein. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que ça va être... Avoir le meilleur équipement, ça va se faire un peu au hasard, ça va être du loot. Donc en fait, faudra faire et refaire les missions. On a X pour sauter, ou pour dasher, hein, tout dépend de la direction qu'on met en place. Et après, on a rond qui permet d'utiliser un objet. A savoir que pour le moment, vous voyez en bas, il y a ma barre de vie et un mode arme. Donc là, si je fais ça, je tire sur l'adversaire, mais bon, pour le moment, il est trop loin. Ou si j'appuie sur bas, ben, j'ai mis en équipement des kits de soins. Que j'utilise, hop, et là je rebascule. Après j'ai des coups spéciaux, donc j'appuie sur R1 et je fais carré pour faire un gros coup de poing. Je peux faire avec triangle, R1 et triangle pour faire un gros soin collectif. Et après j'ai R1 et rond pour faire
Splash! Et ça bourrine. Donc, alors, ça peut paraître très très vite confus. Ah oui, surtout qu'on peut perdre des pièces, mais on peut perdre des pièces en route. Là, j'ai utilisé mon dernier pouvoir, qui est avec R1 et X, qui met en place deux petits satellites qui tirent directement sur l'adversaire. Ça permet de faire un beau petit DPS. Franchement, je le trouve super pratique. C'est assez dynamique au niveau de la baston. Alors, ça peut être confus, la caméra est assez brouillonne. Pour les personnes qui regardent. Après, quand on joue, on arrive facilement à s'y retrouver. Hein. On prend très vite l'habitude. Et là, on voit que j'ai pris cher. Donc, on va faire un petit soin collectif. J'ai deux assistes avec moi qui vont pouvoir m'aider au cours du combat. Hein, qui vont en même temps frapper. Ou aussi, à des moments, me soigner comme il faut. Hein. Pour me protéger, c'est R1 sans rien faire. Et voilà, vous avez vu un peu toutes les mécaniques. Hein. C'est pas compliqué. Mais après, c'est un jeu qui est vraiment fait pour les fans de Gundam. Hein. Alors là, c'est ça. Hein, parce que tout l'intérêt va être de construire le Gundam de nos rêves. Et après, qui a envie de fabriquer le Gundam de ses rêves? Ben, les fans, quoi. C'est ça. Hein. Après, pour les autres, c'est vrai, ceux qui sont pas... fans de l'univers vont vite être blasés par la refaisabilité, alors qu'un vrai fan s'en fout un peu de la répétition des missions. Ce qu'il veut, c'est juste looter pour obtenir le Gundam de ses rêves. Alors, niveau FPS, il a un peu de mal. Alors, attends... Qu'est-ce qu'il peut poser? Alors, normalement, non, il est... moi, de mon côté, il est très très fluide. Hein. Ça, il maintient le 60 FPS sans problème. Hein. Mais normalement, il tient. Et là, alors, nouveau particularité qu'on débloque à partir d'un moment, c'est le mode éveillé. Et là, il me dit, vous voyez en bas, c'est écrit « Appuyez sur L3 et R3 » et paf! Je suis plein de lumière, je fais des coups du gris-gris. En fait, ça change rien pour le moment à mes coups. Ça les rend juste plus puissants, certes. Mais je n'ai pas de coups normaux spécifiques rajoutés. J'ai juste, si je rappuie une fois sur L3 et R3 avant que ma barre soit consommée, que je balance, voilà, une super. Hein. Super qui peut être totalement personnalisable en allant dans les menus, dans la configuration de son Gundam. Hein. Il y a vraiment un énorme choix et honnêtement, je suis pratiquement sûr que vous ne tomberez jamais deux fois sur le même Gundam. Ah bah oui, le but, ça va être de le platiner, celui-là, carrément. En plus, il est pas, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif en ligne pour platiner le jeu. Donc même le Dynasty Warriors Gundam avait déjà des platines en ligne alors que... C'est pas normal, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important dans un Dynasty Warriors, quoi. Mais celui-là, où au contraire, il y aurait vraiment plus de possibilités pour le jeu en ligne, il n'y a pas de trophée pour le mode online. Donc ouais, ça va être le prochain jeu que je vais platiner. Les temps de chargement sont pas particulièrement longs. On se retrouve dans des zones quand même assez petites. Quoique, il y a quand même quelques petits endroits à fouiller, mais... Franchement, non, le jeu, techniquement... Il n'y a rien à lui reprocher vraiment, hein. Par peut-être les environnements un peu fades, un peu simples. Les combos peuvent varier en fonction bien sûr de votre arme, mais aussi en fonction de votre niveau de maîtrise de l'équipement. C'est-à-dire que, et de votre poids surtout, ah là j'ai perdu ma tête et hop elle est revenue. C'est-à-dire que votre Gundam, vous allez pouvoir lui donner beaucoup de vie, hein, une armure, un bouclier énorme. Hein, mais il sera très lourd, il va prendre du poids et ça va être très problématique pour vous sortir de certaines situations. Vous allez vraiment vous traîner. Il faut savoir trouver le juste équilibre, à moins que vous n'en ayez rien à foutre hein, et que votre façon de jouer, c'est de attendre que l'adversaire se retrouve dans une situation de faiblesse et de réussir à le bourriner en un coup sans qu'il puisse réagir et assumer totalement...
On platinera Dead Island, t'inquiète pas. Le temps qu'il puisse réfléchir à son erreur, voilà ce que je veux dire, c'est que... Et il a eu le malheur de s'approcher trop près de vous, et ben il va prendre cher. Un peu comme Zangief dans Street Fighter, quoi. C'est ça. Donc, vous pouvez vraiment obtenir le Gundam le plus adapté à votre façon de jouer. On a la possibilité d'achever le Gundam quand il est au sol et qu'il est en pièces. Ça, c'est assez sympa. Ça bouge vraiment bien, hein. La seule chose que je pourrais reprocher au jeu, c'est justement cette lassitude qui pourrait s'installer pour les non-fans du jeu. C'est vraiment ça. Parce que là, j'ai dû jouer quoi, une vingtaine d'heures dessus. J'ai pas encore débloqué tous les modèles de gameplay, mais le mode histoire est bientôt fini. J'ai encore soi-disant une compétition à gagner. Hein, mais après c'est fini, donc j'en ai fait plus qu'il me reste à faire. Mais après, voilà, je vais continuer d'y jouer, uniquement dans le but d'obtenir tous les modèles de Gundam, obtenir toutes les techniques. Et je sais que ça, bah, une personne qui n'aime pas les Gundam, qui est pas forcément fan de l'univers, bah, le fera jamais. Alors que tout l'intérêt du jeu, au final, ce serait d'en arriver là. Et ouais, mais faut se préparer mentalement, hein. C'est un véritable challenge de vouloir platiner un jeu. Parce que c'est vraiment beaucoup de temps à passer dessus. Mais ça va, les trophées les plus durs, on va réussir à les faire ensemble, Valuxator, puisque c'est souvent des trophées liés au multijoueur, et c'est pas simple quand tu n'as pas d'amis qui ont le jeu, hein, de faire ces trophées en ligne. Donc souvent, les missions peuvent être assez longues. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup... Bon, normalement, on va basculer sur 3 zones, on va se retrouver avec plusieurs vagues de mobs assez simples, on va se retrouver face à des boss... qui vont être beaucoup plus résistants. Mais beaucoup plus résistants, genre il va vous falloir 5 bonnes minutes à vous acharner dessus pour pouvoir le péter. Et ensuite, il y a aussi... Alors là, il y a un truc, c'est une véritable plaie. C'est les géants. Alors, à des moments, tu vas te retrouver à combattre des Gundam énormes. Et ça va être chiant. Parce que au final, tu te retrouves à bourriner et à perdre énormément de vie d'un coup. Un autre truc qu'on pourrait reprocher, c'est que avoir de la finesse dans le jeu, ça va être difficile. Vu comment les adversaires sont bourrins, à te foncer en permanence dessus, hein, et à t'attaquer dans le dos, comme on a pu le voir là, voilà, la finesse, tu l'oublies très vite. Tu vas pas te dire, ok les gars, vous vous avancez et moi je vais rester derrière. Je vais m'occuper de les sniper. Hein, je vais faire énormément de dégâts en étant derrière. Non, non, ça ne marche pas. Ah bah oui, mais faut pas abandonner les jeux comme ça. Bah après, je comprends qu'il y en a qui sont très durs à platiner. Généralement, faut se renseigner un peu. Il y a des sites comme PSTHC qui te référencient tous les jeux et tous leurs trophées. Et là-dessus, tu peux... dire. Tu peux voir la difficulté pour platiner le jeu. Il y a des jeux qui sont très faciles et là vous allez voir, il y a un boss qui arrive qui est un Gundam créé par un joueur. Voilà, c'est... Je crois pas qu'il soit possible. Je crois pas que si vous avez le jeu et que vous refaites cette mission là en même temps que moi, vous tomberez contre le même Gundam. Je pense que... Il y a tellement de possibilités au niveau création, soit c'est fait par un autre joueur, un modèle créé par un autre joueur, soit c'est créé aléatoirement par la machine. Mais il y a tellement de pièces que vous tomberez jamais deux fois sur le même. Donc là, voilà, je le bourrine bien. Et pour vous, ça doit pas être très clair, mais pour moi, ça l'est à peu près. Là, on voit qu'il y a des pièces qui étaient en moins, c'était les lignes rouges, c'était la liaison... Les lignes rouges qui apparaissaient, c'était sa liaison avec ses pièces perdues. Donc là, c'est le moment de bien s'acharner dessus pour essayer de le péter encore plus, à donner des coups forts pour le forcer à se mettre en pièces. Et une fois qu'il est en 1000 morceaux, même s'il a plein de vie, eh ben vous aurez la possibilité d'achever en un seul coup en frappant son torse au sol. Voilà.
Mais sinon, après, techniquement, il n'y a vraiment rien à redire. Tac, allez, voilà, on a déjà fait, on a déjà fini notre deuxième zone. On a vu qu'on avait obtenu des pièces très rares, des pièces violettes. À savoir qu'au-dessus, il y a le légendaire. Et après, ces pièces sont évaluées par un niveau qui va de 1 à 30. À savoir que là, pour le moment, on va réussir à obtenir des pièces de niveau maximum 13. Et après, on verra. Je vous ferai voir après comment améliorer des pièces. Parce que voilà, là j'ai la possibilité de l'achever au sol. Mais, ah, trop tard, j'ai pas eu le temps. Ça c'est le seul reproche que j'ai trouvé pour le moment dans le jeu. Au niveau du gameplay. C'est que c'est hyper bordélique. J'ai plus de tête. Hop, on fait le soin et hop, on va y aller un peu plus bourrin. Et là, on va attendre d'être bien aligné avec tous. Paf! Comme ça, on en bourrine plusieurs d'un coup. Hop, on refait un soin et on va le laisser recharger. Comme ça, mes alliés récupèrent en même temps de la life. Tac! Alors, c'est ça. C'est souvent du carré, 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 triangle. Hein, c'est du classique, mais... ça va, c'est pas non plus aussi chiant qu'un Dynasty Warriors. C'est ça, ouais, c'est un beat'em all, totalement. Hein. C'est ça, c'est totalement un beat'em all. Et où tu peux, là, tu vois, par rapport aux autres beat'em all, tu peux personnaliser ton personnage très loin, à très haut niveau. Mais on va voir ça juste après, une fois qu'on aura fini. On est dans la dernière zone. On avait pris un truc assez facile à faire aussi, donc... voilà, hop, et là... les deux boss. Les deux vaches. Tac, ils apparaissent là. Paf, là j'ai fait... une bonne attaque de masse. Ça leur a bien fait mal. Après, c'est vrai que maintenant, les beat'em all en 3D sont obligatoirement dans ce style-là. Hein. Mais pour moi, un vrai beat'em all, ça reste vraiment du... je trouve que les vrais beat'em all, c'est sur un plan en 2D. C'est une vue de profil. Et qu'après, à partir du moment où on fait du beat'em all en 3D, on se rapproche vraiment beaucoup plus du Musou. D'ailleurs, si vous avez une Xbox One, hein, y a le Orochi Warriors qui est disponible aujourd'hui avec le programme Gold. Hein, gratuitement. Et il est bon. Hein. Donc là, hop, on s'échappe et on va utiliser un peu de soin. Hop. Parce qu'ils avaient l'air un poil plus remontés. Là, c'est parti dans le vent. Il a réussi à esquiver comme un connard. C'est bourrin, c'est confus, hein. Ça doit être très dur à suivre. Paf, allez, on passe en mode déchaîné. Voilà, je trouve que le jeu, limite le jeu, pour moi le jeu ressemble plus à un Senran Kagura que qu'à un double dragon. Ah, mais qu'est-ce qu'il était bon, Senran Kagura. C'est vrai que quand je joue à celui-là, je me dis, putain, c'est vrai que c'était vachement bien. Ceux qui connaissent pas Senran Kagura, hein, c'est un... ça reste, voilà, c'est un peu comme ici, un beat'em all. Mais, allez. Allez. Mais. Mais. Voilà, il a pas voulu me le faire. Hein. Voilà, mission terminée. Voilà, ça a duré 16 minutes, 20 minutes. Ah, mais carrément. Sauf que c'est un Kagura, t'as plus de boobs. Bon, bah, bon appétit, Valuxator.
Bah, ciao le chat. Ah, mais il y a des viewers. Il y a des viewers. Qui est là? Bah, il y a Neo, il y a Nitrox, il y a Punky83, il y a Frayfray13. Je vous souhaite la bienvenue sur ce stream. N'hésitez pas à participer. Hein. N'hésitez pas à participer au chat. Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous et d'échanger avec vous au sujet de ce jeu. Voilà. Donc là, vous avez vu un peu la mécanique de gameplay. Rien de bien fifou. Maintenant, on va attaquer le gros morceau, la personnalisation. Donc, on peut voir un peu donc, le setup, on voit tout l'équipement que j'ai sur le côté. Hein. Donc pour le moment, je n'ai que des pièces HG qui vont de la qualité verte, qui est la qualité peu commun. En fait, c'est comme dans tous les jeux où il y a du loot hein, au niveau de la mécanique de couleur. Après, on a le bleu qui est rare. Après, on a le violet qui est très rare. Et après, on a le jaune ou le orange qui est légendaire. Donc là, on va aller voir la partie assemblage. Donc, ici, on choisit nos armes. Et bizarrement, maintenant, j'ai accès au Martial Art End. Là, c'est de la mêlée, c'est un truc hyper bourrin. Donc, c'est vraiment le coup de poing dans la gueule. Et après, par contre, on a accès à ça, nouveau truc. Hein. Je les avais pas encore débloqués, je viens à peine de les débloquer. Hop, alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais mis un filtre, on va enlever le filtre. Pour vous faire voir un peu toutes les armes qui sont disponibles. Tac. Alors après, voilà, le petit fouet. Le sabre, hein, le classique sabre. Qui a deux façons d'être joué. Il y en a un qui est, on peut le jouer soit à la manière d'un vrai sabre, soit on peut le jouer à la manière d'un fleuret. On a la hache. La plus grosse épée, hein, donc un peu plus lente. Après, on va avoir tout ce qui est double épée, double lame. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les javelots. Ouais. Et les doubles lames hein, que je vous avais fait voir. Hop. Donc on a vraiment pas mal. On doit avoir à peu près une dizaine. Les lances courtes. Ouais, bref. On doit avoir à peu près une dizaine d'armes possibles. Après, donc, on a aussi la possibilité de choisir une arme à distance, qu'on utilisera avec R2. Et on, là aussi, on a à peu près une dizaine de choix. Soit on peut avoir le laser, les deux petits pistolets, on peut avoir la mitraillette, on peut avoir le lance-grenade, on peut avoir la Gatling, bazooka et compagnie, hein, chacun ayant leur propre priorité. Donc ça, ça va être vraiment une manière déjà de commencer à personnaliser votre façon de jouer. Donc ce qui va donner des gameplays totalement différents. Et après, si vous arrivez à vous faire une équipe pour jouer en ligne, ça va être une équipe de 3 ou de 4, ben vous allez pouvoir vous attribuer des rôles spécifiques. Hein, par exemple, il y aura plus des tanks qui vont être équipés d'une épée, d'un gros bouclier. On va avoir les DPS, hein, ceux qui vont vraiment se focaliser sur le dégât par seconde. Les soutiens qui vont être au loin à sniper, à tirer, à ralentir l'adversaire. Bref, il y a aussi beaucoup de possibilités comme ça. Alors, après, au niveau personnalisation, ben, vous voyez, on peut mettre la tête de n'importe quel Gundam trouvé. C'est-à-dire que même ceux que vous achetez, ben, voilà, votre Gundam, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez prendre la tête et le corps du Gundam du RX-78, hein, le modèle de base. Et par exemple, vous pouvez mettre le buste et les jambes et les bras du Astray. Vous pouvez vraiment personnaliser votre Gundam comme vous le voulez. Alors au tout début, ce qui va compter surtout, c'est les points d'armure et les caractéristiques que cela va vous rajouter. Bah, surtout pour les versions blanches au tout début pour créer votre Gundam. Après, quand vous allez avoir de l'équipement vert, bleu, violet et jaune, vous allez voir qu'il va y avoir des petites capacités qui vont être ajoutées. Par exemple, ici, on a un bonus de résistance de 20% avec ce modèle-là.
Et ici, on va avoir une augmentation du DPS à la Gatling. Donc si je m'équipais d'une Gatling en même temps, au niveau arme secondaire, arme de tir, ben, j'aurais un bonus de 1123 de DPS à la Gatling. Donc c'est quand même assez fumé. Et vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Hein. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Honnêtement, si vous n'arrivez pas à créer un Gundam qui vous inspire la classe, je mange mon chapeau. Pour le peu que vous aimez l'univers Gundam, hein, vous arriverez à créer le Gundam de vos rêves. Rien ne vous empêche, rien ne vous interdit en plus de copier littéralement un Gundam existant. Hein. Et après, vous allez avoir la possibilité, alors vous allez dire, « Ah ouais, mais j'aime bien ce Gundam-là, mais je vois que le level de mes équipements n'est pas assez élevé. » Et ben là, vous avez la possibilité, on va le voir juste là, de faire du merge. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas que des pièces de Gundam. Vous pouvez aussi récupérer des petites pièces de fabrication qui vont vous permettre d'améliorer votre Gundam. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai le même casque, là, par exemple, le Père Merge, c'est-à-dire que ce casque, je l'ai en double, celui-là est mieux, et ben, je vais détruire l'autre pour rendre encore meilleur le premier. Ça, voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même casque. N'importe quel autre casque fera l'affaire. Vous pouvez sacrifier tous vos casques pour arriver à construire, pour améliorer le casque que vous avez actuellement. Par contre, ça coûte plus cher d'utiliser un casque différent que d'utiliser un casque que vous avez déjà. Un casque identique. Voilà, par exemple ici, on voit que les prix varient. Déjà en fonction du niveau, mais après on se retrouve à avoir un prix moins élevé. Si j'ai une armure GNX, j'utilise une autre pièce GNX pour l'améliorer. Mais ce qui est vraiment rentable, là après vous pouvez mélanger encore plus de pièces. Vous pouvez encore mélanger plus de pièces parce que là le pair merge c'est juste une pièce avec une autre. Le package merge c'est quand vous voulez en rajouter plusieurs en même temps. Plastic merge, ça c'est que au cours du jeu vous allez récupérer des pièces au sol qui ne serviront qu'à améliorer le niveau de votre armure. Et par exemple, regardez, je vais la faire monter et on voit, là j'ai atteint le level 12, on voit qu'au niveau du coût, ça me coûte 16 000 pour le moment, et je peux monter, donc généralement ce que je fais, quand je dis je veux vraiment créer un boost sur mon perso, c'est que j'en rajoute directement une centaine, et là on passe du level 11 au level 14 pour la pièce, on va le valider rien que pour vous, hein. Hop, et voilà. Et la pièce a été améliorée. Et on peut faire ça pour toutes les pièces afin d'arriver vraiment avec le modèle de Gundam qu'on veut à un haut niveau. Ça va du level 1 au level 30. Et après, je pense que l'idéal, c'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, ce serait quand même d'avoir de l'équipement légendaire avec des capacités en plus légendaires ou très rares. C'est-à-dire qu'on va passer du jaune au violet. Et après, vous allez pouvoir merger par-dessus. Mais chaque pièce, ne vous inquiétez pas, chaque pièce est disponible en différents niveaux de rareté, avec des capacités particulières. Ce sera juste au petit bonheur la chance pour les obtenir. Ou, il me semble avoir vu que si on achetait plusieurs fois, plus on achetait la boîte, la même boîte du Gundam qu'on a envie de faire, plus on augmentait le niveau des pièces qui étaient à l'intérieur et la probabilité d'avoir des versions plus rares des pièces. Donc au final, tout a été plutôt bien pensé. Et là, je vous faisais voir tout à l'heure les petites capacités supplémentaires qu'on peut en rajouter. On a 7 slots. Moi, j'ai utilisé 7 fois des capacités avec un seul slot. Donc qui sont généralement des trucs qui vont pouvoir renforcer... qui vont pouvoir renforcer mon Gundam. Et après, voilà, on peut carrément rajouter des petits composants qui vont nous donner accès à des capacités spéciales durant les combats. Bon. Voilà, ça, ce sera à fouiller un peu plus tard. Vous allez me dire, ouais, mais... Serra, tu me fais mettre toutes tes pièces comme ça, mais mon résultat, il est tout dégueulasse. Mon Gundam, il est de toutes les couleurs, il ressemble à rien. Et ben après, vous avez la partie Paint.
La partie Paint où vous pouvez personnaliser précisément n'importe quelle couleur de votre Gundam. Et là, vous allez me dire, ah ouais, là, c'est cool. Eh oui. Mais après, il y a encore des trucs plus cool. C'est que si vous êtes un peu fainéant, vous avez déjà des presets qui sont disponibles. Et qui sont pas dégueulasses pour autant. Hein. Regardez, ça, c'est la couleur Gundam classique. On se retrouve avec des trucs plutôt fun. Pour le moment, j'ai pas encore pris le temps de faire le Gundam, de personnaliser au niveau couleur. Parce que j'ai pas encore trouvé le Gundam que je voulais, mais j'ai pas encore réussi à faire le Gundam que je voulais. Après, regardez, on peut personnaliser en rajoutant des autocollants, et vous avez à peu près tous les autocollants hein, de l'univers Gundam qui sont disponibles. Après, la customisation des marques, ça fait quoi ça? Hop, je sais pas où ça touche. Ah oui, les petits trucs, les petites marques, c'est les petits trucs qui apparaissent sur le côté, voilà, vous pouvez personnaliser tout ça. Et après, vous pouvez même personnaliser la teinte. C'est-à-dire que là, voilà, il est vraiment... J'enlève l'effet gloss qui était à 70 hein, pour arriver à quelque chose de vraiment mat. Voilà, là, il est totalement mat. Et après, paf, effet métallique. Et là, maintenant, il brille. Et on rajoute l'effet gloss par-dessus. Et là, je brille dans tous les sens. Yep. Et vous pouvez rajouter vraiment tout ce que vous voulez. Hein. L'effet de rouille et de salissure. L'effet peinture à sec. Donc, ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu en maquette. L'usure des arêtes. Les dégâts. Hein, et après, le fait d'avoir marché dans la poussière hein, qui va nous salir notre Gundam. Voilà, on enlève tout ça. Hein, hop. Et une fois que vous avez vraiment réussi à personnaliser votre Gundam, que vous obtenez le modèle de vos rêves, eh ben il va être temps de montrer à tout le monde votre création en allant voilà dans la partie photographe. Alors vous avez la possibilité de changer l'environnement. Moi j'aime bien l'environnement maquettage, petit plan de maquette. Petit espace de travail du maquettiste, voilà. Pouf. Oh, il y a eu un effet. Alors là, on n'a pas de décor, on peut avoir le ciel. On peut faire apparaître le socle ou non. Hein. Toc. Hop. Hop, on a vraiment le choix au niveau des environnements. Et plus on découvre de nouveaux environnements dans le jeu, plus on débloque de fonds pour les photos. A savoir que celui-là, je l'avais pas. Celui-là, je l'avais pas avant de faire ma dernière partie. Tac, le Gundam Café, et après, bon, vous pouvez changer la pose de votre Gundam pour arriver à un truc totalement swag. Alors, par exemple, vous voyez, on peut prendre comme ça et on peut le déplacer comme on veut. Le zoom, hop, comme ça, et après, on appuie sur triangle et ça, et on peut faire un rotate comme on veut. On recule, et paf, ça fait un peu la slow motion de Max Payne. Attention, un méchant. Voilà. On s'amuse avec ce qu'on peut. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait, alors moi je vais le remettre droit. Hein. On va le mettre comme ça. Voilà. Là, il a la classe. Tac. Et ben après, vous appuyez sur rond et vous l'uploadez sur le service Gundam Perfect Game. Le problème, c'est que c'est un site entièrement japonais et j'ai jamais réussi encore à retrouver une de mes photos. J'y capte rien. Mais bon. Alors, est-ce qu'il est prévu que le jeu arrive dans nos vertes contrées? J'ai envie de vous répondre et j'aimerais bien. J'en serais ravi pour pouvoir faire découvrir ça à tout le monde. Mais le problème, c'est que l'univers du Gunpla n'est pas assez développé en France. C'est une chose qu'on va retrouver vraiment dans les pays asiatiques. Donc le jeu a très peu de chances de sortir au-delà de l'Asie. Bon, on a déjà au moins eu la chance d'avoir une version anglaise avec le jeu sortant de Singapour. Mais ça va être très compliqué pour voir le jeu débarquer aux États-Unis et en Europe. Hein. Perso, j'y crois pas. Malgré le fait qu'il ait connu un bon succès, quand il était à la Japan Expo, hein, il y avait du monde pour le regarder. Hein. Il y en a beaucoup qui se demandaient « Ouais, comment on fait pour l'avoir ?» et compagnie. Moi, je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai trouvé sur eBay à 60 euros plus 15 euros de frais de port.
Voilà, après j'avais vraiment envie de l'avoir, donc j'ai pu les mettre et investir dedans. Hein. Alors que j'aurais pu faire des choses bien plus intéressantes avec ça, comme faire un don à Game Online, hein, qui aide aux enfants, qui aide les petits enfants malades à réaliser leurs rêves. Hein, et on leur vend du rêve avec des gros robots comme ça. Ding. Après, pour ceux qui aimeraient découvrir un peu l'univers Gundam, l'univers du Gunpla surtout, il y a une très bonne série Gundam basée sur le Gunpla. C'est... Attendez, je les ai là. C'est le Gundam... C'est Gundam... Build Fighter. C'est ça, c'est les Gundam Build Fighter. Try. En fait, il y a Gundam Build Fighter, et après Build Fighter Try. Mais assez sympa à regarder. C'est un peu le... Oh putain, puis je me rappelle plus du nom de ce manga. Ce manga fait par le gars qui fait Death Note et qui raconte un peu l'histoire de deux mangaka. Comment ça s'appelait ? Je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas grave, mais imaginez un peu que c'est la même chose, mais dans l'univers du Gunpla. Sauf que là, ils ont aussi, en plus, un système de virtualisation des maquettes Gunpla. Et ils peuvent les faire combattre les uns contre les autres. Mais il y a pas mal de trucs intéressants à découvrir sur le montage, des petites méthodes. Assez pratiques au cas où si vous voulez vous procurer des maquettes sur le côté. Surtout que c'est pas très cher, hein. À savoir qu'une maquette, là, ça me coûte à peu près 10 euros. À part les plus... Les HG coûtent une dizaine d'euros. Il faut compter un peu moins de 20 euros pour une MG. Et une MG, ça prend à peu près entre 10 et 20 heures à monter. Donc, ça en vaut largement la chandelle. Hein. C'est un bon passe-temps bien constructif. Et qui permet d'obtenir un résultat si on y prend vraiment le temps et qu'on fait vraiment très attention. On peut avoir un résultat tout aussi claquant qu'une maquette, qu'une statuette de personnage que vous achetez en salon à 70 euros. Hein. Donc là, on va voir vite fait le mode Bounty Hunter, c'est-à-dire le combat d'arène. On va juste faire un petit combat vite fait. Et là, on va se retrouver face à des... à choisir deux cibles. Qui vont popper devant nous hein, directement, on n'aura pas à chercher, hein, c'est pas vraiment un mode chasseur de primes. Ça charge. Voilà, ça se connecte net pour récupérer un peu les différents nouveaux les personnages disponibles. A savoir qu'il y a quand même une bonne maintenance des serveurs parce que il va y avoir des événements particuliers qui vont apparaître au fur et à mesure. Genre, il y aura tel Gundam légendaire de la série qui va être disponible en combat de chasseur de primes pendant un temps limite. Il faudra se précipiter pour le combattre et pouvoir débloquer certaines de ses capacités. Allez, s'il te plaît, connecte-toi vite, qu'on fasse un dernier combat avant de rendre l'antenne. Oh là là! Et donc je vous informe que mercredi je restreamerai à 18h45 et que nous jouerons à The Binding of Isaac. Ouais, on fera du The Binding of Isaac et on fera le parcours pour débloquer The Lost. Donc ceux qui n'ont pas forcément envie de voir sur les forums la manière de débloquer The Lost, bah on le fera tous ensemble en stream. Vous pourrez être là, regarder comment on fait pour débloquer The Lost. Il y a deux méthodes, alors peut-être qu'avec un peu de chance, on aura la bonne la méthode la plus rapide, mais je pense qu'on va devoir se taper 4 morts spécifiques pour le débloquer. Bon, me fais pas dire que ça marche pas à vos serveurs, putain, s'il te plaît. S'il te plaît, fonctionne. Je veux juste me battre, hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et en plus, j'en avais déjà téléchargé des combattants. Et voilà, et vendredi, je sais pas encore ce que je vais streamer vendredi. Je ne sais pas. Je pense que vendredi, limite, on va continuer à faire du... J'en pense quoi de Albion Online ?
Albion Online. Ouais, là, c'est vrai qu'on a des serveurs en carton là pour le moment. J'ai pas accroché à Albion Online. J'ai eu un peu de mal. J'ai testé. Je n'ai pas accroché. Puis surtout, c'est. Je sais pas, je. J'ai du mal en fait. J'aurais vraiment du mal à me remettre sur un MMO. Maintenant. Bah, c'est pas tout à fait un MMO, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Le genre de jeu. J'ai du mal. J'ai plus le temps pour pouvoir le faire. Pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Mais là, voilà, putain, mais sérieux. Et en plus, voilà, je ne peux rien faire. Je ne peux pas quitter. Voilà, c'est la déchéance d'un homme. La déchéance d'un streamer. Hop, en attendant de vous faire voir un peu vite où j'en suis au niveau des trophées. J'en suis à 32. Hein. Donc voilà, j'ai été champion du Japon. Ok, on en est. J'en ai débloqué 20. Il m'en reste 21 à faire en comptant le platine. Oh, c'est malheureux. Hop, on va quitter, on va relancer. Et donc, pour le moment, quand on fait le mode histoire, on est avec deux personnages avec nous et on a... Voilà, le truc qui était intéressant, c'est qu'ils n'ont pas non plus oublié les personnages SD. C'est con qu'on ne puisse pas créer de Gundam SD. Vous savez, les versions toutes petites... LOL. Oui, Dead or Alive. Oui, j'ai adoré Dead or Alive. Ah, comment j'ai eu ce fond? Alors, c'est un fond de Senran Kagura. En achetant la version japonaise, tu as Senran Kagura. Tu peux avoir Senran Kagura Sakura Edition. Sakura Edition, voilà. Et tu as en contenu un code pour télécharger ce thème. Alors après, il faut créer un compte PSN japonais pour pouvoir bénéficier des DLC. Et après, en faisant des petites manipulations de je mets mon compte japonais en compte primaire, je télécharge les thèmes, je repasse mon compte principal en compte primaire, et voilà, c'est débloqué. Et tout le monde peut s'en servir. Ah, Supropote, yeah! Comment vas-tu? Daxdaki, j'ai pas dit bonjour aussi, j'ai dit bonjour à Daxdaki. Bonjour Daxdaki. Ouais, bah voilà, un grand fan de Gundam, et là, bah, on était sur Gundam Breaker 3. Malheureusement, on va bientôt arrêter. On va juste essayer de faire un combat chasseur de primes. Tac, et on va essayer... Overcome all the new challenger, je sais pas, hop. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus. Je crois que... Alors, regarde, peut-être qu'il est disponible sur le PSNFR, hein, et après tu peux l'acheter sur le PlayStation Network japonais, sans avoir le jeu. Hein. T'es pas obligé. Hein. T'es pas obligé d'avoir le jeu pour acheter le thème. Oh là, on est au Gunpla Café. Mais contre quoi je me bats? Ils sont énormes. Allez, go! Alors, je peux... Ah oui, il y a des montures. Alors, elles sont totalement dégueulasses et à chier. Hein, vous n'aviez jamais vu de Mammouth Gundam. Hein. Ah, j'ai perdu les pièces. Excusez-moi, Gilux, mais on a cassé mes lunettes. Yeah, boum! Eh ben, franchement, celui-là... Alors, comme je le disais, on n'est pas un jeu qui suit... On n'est pas dans un jeu qui va suivre la trame des animés. Hein. On est vraiment sur un jeu qui va reprendre l'univers du Gunpla. Donc, c'est-à-dire de la fabrication et du montage de maquettes. Hein. Ça peut surprendre hein, de se dire qu'on fait un jeu sur des jouets, mais
c'est quand même des jouets qui viennent, bah, des jouets. Façon de parler, hein, vraiment, hein, très primaire comme, comme comparaison. Mais disons que c'est quand même à la base une série qui a donné des produits dérivés. Et enfin, ces produits dérivés donnent aussi accès à un jeu. Comme quoi, le succès des maquettes Gundam n'est plus à faire. Peut-être qu'un jour, ils nous feront aussi ces Gundam qu'on peut scanner et intégrer directement dans le jeu. Voilà, ah, le genre de... Ils ont fait deux séries sur les Gunpla. Alors, il y a les Gundam Breaker et il y en a un autre qui est arrivé. Qui est un jeu en ligne uniquement. Qui est gratuit. En plus. Qui est gratuit, mais je l'ai testé. Il est disponible qu'en japonais pour le moment et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mais au niveau du gameplay, ce sera la même chose, hein. Et après, si t'en connais un autre... Ah oui, en animé, oui. En animé, il y a les Gundam... Build Fighter classique et le Build Fighter Try, que je suis en train de regarder en plus. Alors là, on voit mes pièces qui volent en lambeaux. Alors, je ne sais pas trop l'intérêt de ce mode. À part de combattre en masse les adversaires et potentiellement de looter des trucs, je sais pas. Je sais pas où ça va me mener après. Ah, le bim! Alors, j'ai perdu ma tête depuis que j'ai vu Suzette. Ah ouais, mais ça, de toute façon, Gundam, c'est... C'est historique. Ah! Le Vlad, bah là on a eu un Gundam de Builder Try. On a eu le... Comment il s'appelle? C'est le Build Burning Gundam. Je l'ai en maquette juste derrière moi si vous n'arrivez pas à le voir. Ah non, je me suis fait tuer comme un sac, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, ah non, ils font péter le sol. Ok, c'est juste ça, c'est moi qui regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? À quoi je dois survivre? Ah oui, il faut fuir le danger. J'ai pas du tout fait gaffe, moi. J'étais occupé de regarder. Ouais, c'est ça. Et franchement, ce serait trop... Ah putain, encore... Ah, je ne regarde pas ce que je fais. Et donc, je me fais buter. Facilement. Eh oui, ah oui, non, mais c'est surtout qu'ils sont devenus très très violents, hein. Ah oui, oui, là, ça frappe beaucoup plus fort. Ouais, mais la statue, elle est énorme, hein. J'y croyais pas au départ, hein, quand on me... J'en ai entendu parler il y a une dizaine d'années de cette statue, même pas. Pas une dizaine d'années... Ah bah ouais, je... Non, c'est pas fini encore. Mais alors, ça s'arrête quand? Ah oui, c'est fini. J'ai été trop mauvais. Bon, ma mission est terminée. Est-ce que j'ai déverrouillé des trucs en faisant ça, ou c'est juste de la thune que j'ai obtenue? Mais ouais, mais elle est impressionnante, hein, le Gundam RX-78, il est magnifique. Taille réelle, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est taille réelle. Ça fait à peu près 20 mètres de haut, c'est ça? C'est ça la taille réelle d'un Gundam, hein, 20 mètres de haut. Ah, ça n'a absolument rien à voir, c'est sûr, le Japon comparé à la France, ça n'a rien à voir. Pourtant, on est le pays qui essaye de se rapprocher le plus. C'est-à-dire qu'on est les premiers consommateurs de manga après le Japon. On est certainement le pays le plus sensible à la culture japonaise. Le problème, c'est que notre système économique et tout ce qui est programme de diffusion du manga ou de l'anime ne peut pas fonctionner. Le modèle japonais ne peut pas fonctionner. Ne peut pas fonctionner en France. À savoir qu'en France, on achète son manga. C'est le bouquin qu'on va ranger dans une bibliothèque. Au Japon, le manga, tu l'as lu, tu le jettes. Et ça, hein, c'est pas du tout le même prix et la même qualité au niveau du papier, de l'impression sur papier. Voilà. Après, c'est vrai que
Les personnes non averties et qui ne connaissent pas trop l'univers, la culture japonaise vont être choquées par beaucoup de choses que tu verras au Japon. Ça dépend. Ouais, y a des gens sympas ici aussi, hein. Il y a des gens très sympas ici aussi. Bon, bah de toute façon, je suis désolé les amis, je vais devoir arrêter. On a fait à peu près le tour de cette démo, de cette présentation du jeu. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait dedans. Donc, surtout si vous souhaitez vous procurer le jeu, prenez la version asiatique. Ne prenez pas la version japonaise qui n'est qu'en japonais. La version asiatique bénéficie d'une traduction en langue anglaise qui rendra le jeu vraiment beaucoup plus compréhensible. De toute façon, après, tu pourras mater le replay. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux mater le replay, ce sera tranquille. Je restream mercredi, mais je stream du Binding of Isaac. Alors, limite, si tu veux revoir du Gundam Breaker 3 et discuter avec moi de l'univers Gundam, je risque d'en faire en stream sur ma chaîne perso. Je peux pas te dire quand, mais je vais en faire en stream sur ma chaîne perso. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Et ben je vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine. On va en profiter aussi pour remercier nos amis, nos partenaires. La Bifamily, hein. La BlizzCorp, NotVidden et la ZooCorp. Mais oui, Supolopote, n'hésite pas à passer sur mon stream et on pourra discuter sans problème. Vraiment aucun souci. Allez, ciao, portez-vous bien.